Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Florian Lemain, je suis réalisateur de vidéos et de courts-métrages sur YouTube. Ça va être tellement plus simple. On voit à 20 mètres, il y a rien qui va. Mais deux demeures inachevées, la quête du Saint Graal et la quête du Saint-Nectaire. Oh, tu régales. Et attrape ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle la quête du basilic. Alors, la quête du basilic, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une traversée de l'Italie du point le plus au sud au point le plus au nord sur 25 jours à vélo. Pendant toute cette traversée, je serai accompagné de Géraud, un ami d'enfance qui sera mon partenaire et mon cadreur pour toute la durée du voyage. Donc cette traversée sera filmée de A à Z pour en faire à la fin une série qui nous permettra de vous emmener avec nous à travers cette traversée de l'Italie où on pourra tous découvrir ensemble l'Italie, son histoire, sa culture et ses paysages. Ce projet va s'articuler autour de trois axes principaux. Tout d'abord, l'idée d'écologie, ensuite l'idée de défi sportif et pour finir, tout l'axe plus culturel. Écologie parce qu'en fait, on va refuser pendant tout le trajet d'utiliser des moyens de transport motorisés. Ensuite, le deuxième axe, défi sportif, parce que pendant toute la traversée, on va se dépasser à de nombreuses reprises, aussi bien sur le point de vue mental que physique. Et le troisième axe, donc culturel, toute cette traversée, c'est pour découvrir aussi la culture italienne, en allant régulièrement dormir chez l'habitant pour recharger déjà nos batteries pour les caméras, tout ça, et nos téléphones, et aussi pour aller un peu à la rencontre. Ça fait 6 mois que je me suis remis à l'italien, j'ai pas un niveau fou, mais bon, on verra sur place comment je me débrouille. Pour motiver toute cette quête, toute cette traversée, j'ai écrit et je vais réaliser une fiction qui durera quelques minutes, un peu à l'image de la quête du Saint-Nectaire, qui était en fait un projet pilote pour justement la quête du basilic. Un projet d'une telle envergure, ça a forcément des coûts, que ce soit pour le matériel de cyclisme ou le matériel de prise de vue pendant toute la traversée, ou même en amont pour le tournage de la fiction, où il faut nourrir l'équipe technique et les acteurs, pouvoir louer un petit peu de matériel professionnel pour avoir un rendu très qualitatif. Et c'est là que vous rentrez en jeu, parce que ce projet, il a besoin de vous, c'est pour ça que j'ai créé cette cagnotte. Chaque geste compte, et sachez qu'en contrepartie, en plus d'avoir votre nom générique, je m'engage vraiment à faire le maximum pour rendre cette série le plus divertissant et le plus sympa possible. Et petite précision, sachez que tout l'argent que je vais récolter à travers cette cagnotte sera réinvesti dans le projet. L'idée, c'est pas du tout que je me fasse de l'argent dans votre dos, mais c'est plutôt que j'en perde le moins possible en faisant cette série. Si le projet vous parle, n'hésitez pas à le soutenir et je ferai de mon mieux pour vous ramener les plus belles images et les plus belles galères de cette traversée. Si vous voulez m'accompagner dans cette aventure, toutes les informations, que ce soit sur les enjeux ou sur les dépenses, sont en description sur le crowdfunding. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis trop impatient de tourner, que ce soit la fiction ou la traversée, et on se dit à bientôt sur les routes de l'Italie.